voyager. Ça, c'est le fun. C'est un peu ce que j'ai fait en allant visiter l'épicerie fine Brimbel sur la place Shamrock dans la petite Italie. La place Shamrock est comme un trait d'union entre le populaire marché Jean Talon et le boulevard Saint-Laurent. L'épicerie Brimbel, c'est un voyage en France, mais sans le décalage horaire. Estelle et Didier se sont donné comme mission d'offrir des produits en provenance de la France. Mais pas n'importe lesquels, les meilleurs. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en choisissant les producteurs avec soin, il est possible de connaître leur histoire qui nous est racontée par Estelle et Didier. Donc, quelle est l'origine des calissons, qui fabriquait les nonnettes à l'époque? Vous trouverez toutes ces réponses et bien plus chez Brimbel. Estelle et Didier, merci beaucoup de m'accueillir dans votre épicerie chez Brimbel. Merci. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais faire une espèce de voyage en France. Mais avant ça, j'aimerais ça savoir un peu qui vous êtes. Vous n'étiez pas nécessairement directement dans l'alimentation avant la boutique. Non. Non, absolument pas. Vous, vous faisiez? Alors moi, j'étais enseignante et formatrice d'enseignants, donc de l'école primaire. Donc okay. Vraiment totalement autre chose. Et moi, j'étais consultant spécialisé dans tout ce qui touche au marketing, business development. OK. Donc ici, produits gourmets français. À vos accents, on comprend que vous êtes français. Oui. Vous êtes d'où exactement? On est de l'est de la France, donc de Besançon, avec des origines familiales dans les Vosges. OK. Voilà. Oui, d'où le nom de l'épicerie, qui s'appelle Brimbel, parce que la Brimbel, en fait, c'est le nom que l'on donne à la myrtille dans les Vosges, donc région, moi, où je suis née, et donc, les parents Didier sont nés aussi dans les Vosges, voilà. Et pourquoi un petit... le « i » est en point-virgule. En point-virgule, oui, voilà. L'idée, c'est de... Quand on vient chez Brimbel, on prend le temps, et donc on fait une pause. Et donc, le point-virgule symbolise... cette pause que l'on fait quand on vient ici, chez Brimbel, découvrir les produits, l'histoire des produits, l'histoire des producteurs, déguster. Voilà, c'était ça le petit clin d'œil. C'est une pause, pause gastronomique aussi, et c'est aussi la pause qu'on fait à la maison quand on a rapporté les produits de chez Brimbel avec ses amis, sa famille. Et que là, on les déguste. Et là, on les déguste. Estelle, de ce côté-ci de la boutique, on a le côté salé. Et là, déjà, on arrive devant un beau mur de pâtes, plein de couleurs. Oui, toutes les couleurs. On a des photos d'une famille, donc les producteurs, j'imagine. Tout à fait. Donc là, c'est la famille Cornan. Okay. Donc les pâtes sont fabriquées à Saint-Étienne depuis 1919. Wow. Et donc l'actuelle dirigeante, Luce Cornan, qu'on voit sur la photo tout en haut, a développé toute cette gamme de pâtes haute couture, de toutes les couleurs, de toutes les saveurs qui sont aussi bonnes que belles. Oui. Et le papa de Luce travaille encore, il a 86 ans, il travaille encore à la fabrique de pâtes. Tout est fait à la main, c'est vraiment magnifique. Wow. Donc c'est de la semoule de blé dur de très haute qualité. Tout est naturel, pas de conservateur, arôme naturel, colorant naturel. On a souvent la question de nos clients, des pâtes bleues, mais qu'est-ce que c'est? Donc c'est de la spiruline, donc c'est une algue. Celle-ci vient de la baie d'Ouessant en Bretagne. Et donc la spiruline, historiquement, voilà, les Aztèques l'utilisaient pour augmenter leurs performances athlétiques, paraît-il. Ah oui? Oui, oui, oui. Donc la spiruline, c'est une algue, ça va très bien avec tous les plats de poisson, par exemple. On était épicuriens et puis après on a... au fur et à mesure, on a appris aussi à découvrir bien d'autres choses à travers les voyages qu'on a pu faire en France et la découverte de tous ces terroirs et de tous ces produits que l'on a. Quoi. On a toujours aimé les bonnes choses, les bons produits. Ouais. Et là, comment on se retrouve avec des carrières quand même bien remplies à finalement s'ouvrir une boutique à Montréal pour partager des produits français? Oui, donc c'est un grand pas, effectivement. Ouais. Donc, en fait, c'est simplement l'envie de changer, l'envie de nouvelles expériences, l'envie de découvrir aussi une nouvelle culture, la culture québécoise. Donc, quoi de mieux qu'en pouvant partager aussi notre propre culture. Voilà, c'est un petit peu ça, l'aventure. On avait envie, avec Estelle, de travailler ensemble. Et puis, on avait l'opportunité d'avoir un peu de temps devant nous et de pouvoir se lancer dans de nouvelles activités. Et ça faisait quelques mois qu'on réfléchissait à ce qu'on aimerait faire, où est-ce qu'on aimerait le faire. Et on est venu à Montréal, donc en octobre 2014, avec deux projets qui étaient soit on ouvrait une épicerie fine en France, plutôt dans la région lyonnaise, ou soit on venait s'installer ici au Québec, à Montréal, parce qu'on était vraiment attirés par,
par la province, la ville et la culture. Et nos hivers froids. Et vos hivers froids et vos personnes chaleureuses. Ah, voilà, c'est bien dit. Mais on s'était dit, on continuera nos activités d'avant pour limiter les risques. Et puis, on a sillonné Montréal pendant quelques jours à pied. On a visité les épiceries, les fromageries, etc. Et ce jeudi matin... Moi, je me suis levé en me disant, mais c'est pas possible qu'il y ait si peu de produits gourmets français au regard de ce qui existe en France. Mmh. Et là, c'était une vraie révélation. C'est des choses comme ça qui sont aussi... Il y a une part d'intuition dans ce que l'on fait, au-delà des choses raisonnées. Et j'ai dit à Estelle, ce jeudi matin-là, en se levant, j'ai dit, l'épicerie, c'est pas en France qu'on va l'ouvrir, c'est ici. Des commerces comme le vôtre, c'est souvent du bouche à oreille. C'est ça qui fait la publicité, que les gens viennent, parce qu'on se réfère les endroits. Donc, j'ai invité Mélissa Bédard, qui est une chanteuse. D'accord. Estelle, tu pourrais peut-être nous préparer un petit plateau, puis on pourrait justement aller au coin dégustation. Avec plaisir. Déguster. Mélissa, je te présente Estelle, une des propriétaires. Bonjour, bonjour. Bonjour, Mélissa. Et tu es pas mal ouverte à goûter pas mal tout. Très ouverte. Très ouverte. Donc, oui, vraiment. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, donc, vous allez pouvoir goûter toute une panoplie de petits produits gourmets français. Donc, les fameux calissons d'Aix-en-Provence. Celui-ci est chocolat noisette et celui-ci framboise et matcha. Des nougats qui sont faits au pied de Mont Ventoux à Saint-Didier, donc au miel de lavande, oui, au miel de lavande et aux amandes de Provence et à la pistache. Des pâtes de fruits, donc vous avez à la figue, à l'abricot, à la pêche, non, à la fraise, pardon. Des petits caramels au salidou, donc au caramel au beurre salé de la Maison d'Armorine en Bretagne. Les niniches de Quiberon, les fameuses niniches de Quiberon, donc des petites sucettes ou suçons. On a aussi les nonnettes de Dijon, donc du pain d'épices fourré à la confiture, là en l'occurrence d'abricot. Nonnettes faites par des nonnes. Au Moyen-Âge, oui. Oh. des noix de Grenoble enrobées de chocolat. Vous avez aussi des clémentines confites. Okay. Voilà. Vous pourrez goûter aussi les nectars de l'atelier Patrick Font sur les Monts du Lyonnais. Donc, on a le nectar de poire et le nectar de cassis de Bourgogne. Et vous pourrez goûter aussi la crème de salidou et puis la confiture d'olive verte et noire de chez Etc. qui va très, très bien avec le fromage, notamment. Voilà, tout cela accompagné d'un thé d'amande frère, l'oriental, donc fruit de la passion, pêche et fraise des bois. Wow, petit oriental, parfait, ça. En attendant, on peut se faire un petit shooter de cassis. Hein, bienvenue, merci Mélissa. Merci beaucoup, merci. Merci d'être là. Ça a l'air bon. Ouais. C'est tellement goûteux. Du vrai jus. On sent le fruit, là. On sent le goût. Ben Mélissa, moi je me demandais d'entrée de jeu, quel est ton rapport avec l'alimentation, la bouffe en général? En fait, j'ai un très bon rapport, on pourrait dire. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger, qui aime cuisiner aussi. Donc oui, vraiment beaucoup. Mais j'aime expérimenter. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que... Ça sera peut-être pas bon? Ben peut-être bien, mais je suis pas vraiment de recette. Ah, OK. Souvent, en tout cas, j'essaie le plus souvent, mais j'aime ça aussi expérimenter le tout-ski. Okay. Tu sais, de prendre un petit peu de tout puis d'essayer de mélanger ça pour faire une pâte ou faire un plat spécial. Puis en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de négatif. OK. Ça se passe assez bien dans la cuisine. Ta fille, ça cherche pas une autre mère? Non, mes filles, vraiment. Ils aiment beaucoup ce que je fais puis j'ai des bons commentaires d'eux. Ouais. OK. Vous avez eu un coup de cœur pour la rue, le quartier, la bâtisse? Oui, donc en fait, nous, il fallait qu'on trouve un endroit où nos produits allaient pouvoir être découverts. Donc, c'est parce que comme c'est du nouveau, il fallait vraiment que ce soit un endroit où il pouvait y avoir du passage, des personnes qui soient attirées par des produits gourmets. Mm-hmm. Donc, mieux que sur le marché Jean Talon, tout proche du marché Jean Talon, pour ouvrir une boutique, effectivement. Donc, on a eu le coup de cœur pour cette belle place Shamrock, qui est une place très calme, agréable, et tout près du marché Jean Talon. C'est ça, parce que pour situer les gens, il y a le marché Jean Talon. C'est ça. Et là, il y a des petites rues qui croisent, si on veut. Oui. Et ici, c'est une place, donc l'été,
Je crois qu'ils ferment. Il y a des tables, les gens peuvent venir manger dans la rue, il y a des activités. C'est ça. Voilà, alors il y a des projets d'aménagement de cette place Shamrock, donc de l'avenue Shamrock, en fait, pour que ça devienne vraiment un lien entre le boulevard Saint-Laurent et le marché Jean Talon. Okay. Voilà, donc nous, on est juste là. Des aires sonnantes à l'île de Ré, donc c'est là où on récolte le sel et la fleur de sel. Wow. Donc le sel de l'île de Ré, donc, c'est du sel brut de récolte, c'est-à-dire qu'il est juste séché au vent et au soleil et il est utilisé comme ça. Donc il faut savoir que ce qui n'est pas bon dans le sel, c'est le chlorure de sodium. Oui, et quand on blanchit, quand on nettoie, quand on purifie un sel, on enlève tous les oligo-éléments, les nutriments, et c'est ce qui est bon dans le sel. Donc là, c'est un sel santé. Et en plus, la force de l'esprit du sel, c'est tous leurs petits sels aromatisés. Par exemple, ici, on a le péché mignon. C'est un mélange méditerranéen, sarriette, laurier et d'écorce de citron. Wow. Alors, je vais vous le faire sentir. Donc ça, pour tout ce qui est... Ici, on peut sentir, on peut goûter. Donc là, par exemple, ça va vraiment avec tout ce qui est poisson, produits de la mer. OK. Voilà, on en a d'autres qui vont avec, avec les purées, les soupes, comme le chiffonade. Juste le sentir, j'ai l'impression d'arriver à la mer. Oui, c'est ça. On connaît un peu ton histoire parce que tu as fait Star Academy. Tu as été adoptée à l'âge de 9 mois dans une famille de Québec. Exactement. Mais est-ce que, justement, est-ce que tu es allé te renseigner un peu sur tes origines par rapport à côté alimentaire? Est-ce qu'il y a des trucs parce que tu es d'Haïti? Oui, est-ce qu'il y a d'Haïti. Moi, je demeure à Québec, mais je viens faire mon tour de temps en temps, assez souvent à Montréal. Ouais. Puis ici, on retrouve beaucoup, beaucoup d'épiceries ou justement de restaurants haïtiens. Je vais souvent aller manger dans les restaurants. Ouais. Mais je suis allée en Haïti pour la première fois il y a 2 ans. OK. Puis c'est vraiment là que j'ai pu justement vivre, puis aller dans les restaurants là-bas, puis manger leur nourriture, en fait, qui est extrêmement, extrêmement bonne. Tu sais, c'est zéro agence de conservation. Le poisson est pêché à même la mer, puis ils te l'amènent dans l'assiette, puis c'est directement là. Donc, tout est goûteux. En tout cas, pour moi, c'est bien spécial de retourner là-bas, mais la nourriture, c'est un plus. Parce que vu que tu es arrivé ici en 9 mois, tu as été élevé au pâté chinois, au macaroni, j'imagine, comme tout le monde. Au ragoût. Oui, c'est sûr que j'ai été élevée comme ça, mais je suis quelqu'un qui aime énormément aller goûter, justement, à manger d'autres origines. Puis, je suis pas difficile comme personne. Okay. Mais je fais des très bons des bananes plantains, qu'on appelle. Ça, j'en fais des très, très bons. Oui, c'est ça. Ça, j'ai eu une amie qui est haïtienne, que sa mère m'a montré comment les faire. Je le fais assez régulièrement. Mais ce que j'aimerais beaucoup cuisiner plus le poisson, des sortes de poissons différentes que nous, la truite et le saumon. J'aimerais ça expérimenter beaucoup ce côté-là de la nourriture. Oui, vraiment. Donc, vous partagez votre culture, vos coups de cœur et tout ça. Oui. Mais aussi, il y a beaucoup de nationalités, beaucoup de gens qui viennent ici. Oui. Quel est le genre de clientèle qui vient? Est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'ils savent un peu à quoi s'attendre en rentrant ici? Alors, donc, en fait, notre clientèle, donc on a une grosse clientèle de quartier, donc Les résidents du coin. Voilà, les résidents du coin qui viennent régulièrement à la boutique. Ouais. En fait, beaucoup de Québécois qui aiment, parce que les Québécois sont très... Alors oui, et qui sont très, très curieux, justement, nouvelles découvertes. Okay. Certains aussi qui aiment retrouver... à travers nos produits, des souvenirs de voyage. Donc, par exemple, les calissons qui représentent vraiment la Provence et qui les fait retourner un petit peu en voyage. Des Français, bien sûr, qui sont très contents de retrouver des produits... Les produits qu'ils aiment, de leur enfance. Ben oui. Voilà, les madeleines de Proust, etc., etc. Okay. Et puis, des personnes de toutes les nationalités, justement. Ouais. C'est l'occasion de beaucoup d'échanges dans cette boutique. Gelé de café. Oui. Il me semble que je n'ai jamais vu ça. Oui, c'est normal. Je pense qu'on est les seuls à l'avoir à Montréal. C'est quoi? Donc, la gelée de café, en fait, c'est une gelée qui est faite à partir du café. Alors, déjà, pas n'importe quel café, puisque c'est le café Caron qui est torréfié donc à la Brûlerie Caron à côté de Paris, à Châtillon. Sylvain Caron, meilleur torréfacteur de France, c'est un café qui a obtenu des prix d'excellence. Donc, c'est un assemblage de 4 grands crus d'Arabica, déjà. Voilà. Okay. Et donc, ils ont eu l'idée avec leur café de faire une gelée
Donc, le confiturier, c'est un maître confiturier de Quiberon, qui est la cour d'Orgères. Donc, cette gelée de café, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser de façon assez insolite, par exemple avec du foie gras. Ah oui? Oui, on a organisé une soirée avec des blogueurs ici et une petite verrine a été créée avec du foie gras et de la gelée de café. C'était vraiment délicieux. Wow. On peut utiliser ça avec des viandes, par exemple avec de l'agneau. C'est vraiment très bon. Quand tu étais jeune, de tes souvenirs, est-ce que c'était le plat de maman ou de papa qui était le meilleur ou le plus réconfortant? De papa. Ouais. Mon père est un grand cuisinier. Bien, surtout l'été. Mon père, c'est le maître du barbecue. Ah. Comme à peu près tous les pères, je pense. Ouais. Mais oui, c'est les plats de mon père. Mon père, il fait bien à manger. Et c'était quoi? C'est mon plat préféré, mon Dieu. J'en mange plus beaucoup, mais mon père faisait le meilleur steak. OK. Oui, il faisait le meilleur steak sur le barbecue. Il fait aussi une très bonne sauce à spaghetti. Ça, c'est très réconfortant, même que des fois, je dirais pas, mais je vais voler des plats. Ouais, t'en ramènes. Des pots maçons, ouais. T'en repars. Oui. Donc, vous partagez beaucoup de votre culture, de votre histoire. Il y a plusieurs nationalités qui fréquentent l'endroit. Est-ce que vous entendez aussi? Est-ce que les gens partagent leur histoire aussi un peu? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. Ben, les gens qui sont allés en France... d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis une carte de France dans la boutique, parce que les gens qui viennent comme ça... « Ah, je suis déjà allé là, et puis me rappelle ci... » On a aussi des gens qui vont en France... Et maintenant, ce qu'on propose aussi à nos clients, c'est d'organiser, s'ils veulent visiter un de nos producteurs, nos producteurs sur place les reçoivent, leur font faire des dégustations et leur font visiter les ateliers. Donc, il y a tout un échange comme ça. Et forcément, quand on parle de culture française, on nous parle aussi des cultures d'autres pays. Oui. Et c'est vraiment un partage, quoi. Quand on fait goûter, par exemple, les calissons qui sont à base d'amandes, on a des clients libanais qui disent « Ah, ça me fait penser à une confiserie libanaise, etc. » Donc là, c'est vraiment l'occasion d'échanger aussi sur les saveurs, sur les habitudes alimentaires, etc. Oui. Des produits bretons, la maison d'Armorine, la biscuiterie de Bretagne, le fameux Salidou, crème de caramel au beurre salé. Qui est une institution en Bretagne. On a la biscuiterie de Provence, des produits complètement naturels, des macarons de Provence, en plus des petits gâteaux sans gluten. Ça a l'air super bon. Des nonnettes. Alors, les nonnettes. Qu'est-ce que des nonnettes? Oui. Donc, les nonnettes. Est-ce Madame Nonnette? C'est ça. Oui. C'est Catherine Petitjean, exactement, qui est la descendante. Alors, figurez-vous que la maison Mulot et Petitjean existe depuis 1792. Wow. Et c'est toujours dans la même famille. Donc, c'est Catherine Petitjean, l'actuelle dirigeante. Et donc, il faut savoir que Dijon, c'est la capitale du pain d'épices. On connaît Dijon par la moutarde, mais une autre spécialité de Dijon, c'est la nonnette. Et la nonnette s'appelle nonnette parce que ces petits pains d'épices étaient fabriqués par les nonnes au Moyen-Âge. Donc, c'est du pain d'épices avec un cœur fondant de marmelade. Donc, la marmelade là, à l'orange, on a à l'abricot, on a à la myrtille, cassis, framboise, chocolat, citron, etc. Est-ce que tu as dans ton quartier tes petites places ou tu vas toujours à la même place? Moi, je vais souvent à la même place, mais j'ai. Mettons que je vais dans les nouveaux quartiers, mon métier m'amène beaucoup à voyager puis à aller à l'extérieur. J'aime ça prendre le temps, justement, de. Surtout les boulangeries, je suis bien une fanatique de pain puis de pâte, pain. Oui. T'es-tu italienne, finalement? Je suis quasiment italienne, mais j'aime aller, justement, dans des petits commerces. Tu rentres, t'as pas l'impression que c'est ça, puis tu vas à l'arrière. Puis il y a toujours un petit commerce de fait maison et tout ça, j'aime bien. Parlons vraiment de vos produits parce qu'ils sont choisis avec soin et passion. Ce qu'on entend par produits gourmets, c'est des produits qui sont fabriqués artisanalement, avec beaucoup de main-d'œuvre et de manuel, avec amour. Voilà, avec amour, avec de belles matières premières qui souvent d'ailleurs viennent un peu des régions environnantes ou même de des la région. Produits du terroir. Et un produit gourmet, quel qu'il soit, il y a deux facettes. Il y a la facette, il y a le plaisir qu'on se fait soi-même quand on achète un produit gourmet. Mais il y a également toute une facette dont on parle un peu moins, qui est cette chaîne qu'on entretient en consommant des produits gourmets. C'est-à-dire que quand on achète un produit gourmet, qu'il soit français, québécois et autres, eh bien, on fait vivre
On fait vivre de la main-d'œuvre, on fait vivre des traditions, ouais. On fait vivre des gens passionnés. Un autre produit très populaire, les calissons. Donc, le calisson, donc, c'est une confiserie qui a été créée pour le mariage du roi René, comte de Provence, et de Jeanne de Laval. Toutes les recettes ne sont pas du 15e siècle. La recette du 15e siècle, c'est vraiment la recette traditionnelle, donc à savoir amandes finement broyées, melon confit et écorce d'orange. Et récemment, d'autres saveurs ont été développées, donc des calissons, toutes les couleurs, toutes les saveurs. Bon, si vous voulez, je vais vous faire goûter. On pourrait goûter. Oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce qui te ferait plaisir de goûter? J'ai vu citron, hein, je pense. Alors, le citron, on a les... Ah, tu vois, je suis juste à côté, c'est la preuve. Eh bien, voilà, c'est ça. Donc là, ce sont les mini calissons au citron. Donc, ben, je t'invite à en prendre un, oui, oui. Ah, ben voilà, on dirait une petite feuille. Oui, c'est ça. Alors, en fait, ça a la forme d'un sourire. Ah. Et ce qui va peut-être m'amener à raconter l'histoire du calisson. Pourquoi est-ce que ça s'appelle un calisson? Oui, c'est une belle histoire. On raconte que la reine était quelqu'un de plutôt austère. Et le jour de son mariage, en fait, quand elle a goûté au calisson, la petite confiserie qui avait été créée à cette occasion-là, elle a souri. Alors le roi a demandé au confiseur comment est-ce que ça s'appelle. Et il a répondu en provençal, puisqu'on est au 15e siècle, « di calinsun ». Et ça veut dire « ce sont des câlins ». Voilà. Ah. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai ça, là, que je vois dans le coin de l'œil. Moi, je dis qu'on goûte un peu. Oui, ben oui, certain. Puis, écoute, on est déjà en 2017. Toi, 2016, ça a été... j'arrête pas de dire ça en joke, mais pour vrai, Miss Noël. Moi, t'as été Miss Noël 2016 parce que ton album est excellent. Merci. Super belle voix. Tes chansons sont super bonnes. Mais là, 2017, Mélissa Bédard, elle voit cette année-là comment? Mais puis garde-toi, prends une bouchée. OK, mais parfait, mais on commence par ça. Mais j'espère vraiment avoir encore une belle grosse année. Ouais. J'ai beaucoup de projets. Oui, je suis chanteuse, mais je suis chanteuse pour d'autres aussi. Je suis choriste pour... Je fais des revues musicales. Donc, j'espère que ça va rester aussi chargé, mais qu'en même temps, mes filles continuent de grandir pleinement et s'épanouir dans tout ce qu'elles font. Ouais. Tu as deux petites filles de quel âge? Oui, 17 mois, 7 ans. Ah, quand même, hein? Ouais, on a un écart aussi, là. Mais c'est ce qui est le fun, c'est que la plus vieille s'occupe de la toute petite. C'est vraiment fun comme ça. Qu'est-ce que vous amèneriez avec vous ou que vous aimeriez faire découvrir, peut-être aux Français que vous avez découvert à Montréal? Avez-vous eu des coups de cœur? Ah oui? La poutine? Oui, oui. La poutine? Vous amèneriez la poutine en France? Ah oui, oui, on est devenus des pros, des pros de la poutine. On s'approprie aussi un petit peu, puis on se fait des recettes. Ah, vous la retravaillez? Voilà, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. On a commencé de challenger de nos producteurs, parce qu'en fait, ce qu'on aimerait faire, voilà, c'est d'utiliser des matières premières du Québec pour allier le savoir-faire québécois et le savoir-faire français. Voilà. Cantons-nous dans le... Pas au caramel. Ben oui, ah oui. L'invité d'abord. OK. Ah, ça a l'air consistant, tu vois? Oui. Mm-hmm. Ouais, c'est là qu'on voit que c'est du vrai, là, tu sais. On goûte tellement sucre à la crème, hein? Un petit côté. L'idée, c'est que Brimbel, ce soit un lieu où ça grouille en permanence de découvertes, de nouveautés, de partage, où on vient là parce qu'on apprend des choses, parce qu'on les partage. On a des clients qui reviennent et qui nous disent « Ah, ben le nectar de citron, je l'utilise dans mes sauces de salade, la confiture de noix, je l'ai mise sur les glaces, c'était vraiment délicieux, etc. etc. » Donc, c'est aussi des choses qu'on aimerait partager avec les autres clients, parce que chacun a de bonnes idées. Mélissa Bédard, merci beaucoup d'être passée, de bourrer la face avec moi. Ah, c'était très bon. C'était plaisant. Pour avoir le meilleur de la France, et si vous aimez les histoires, il faut aller faire un tour chez Brimbel pour rencontrer Estelle et Didier. Du coup, merci d'avoir été des nôtres. A priori, on se revoit bientôt sur Montréal.